La cure du livre des Actes des Apôtres 25, versets 13 à 21. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bénérice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté à ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici. Et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que pour ma part j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Psaume 102, 103, versets 1 à 2, 11 à 12, 19, 20 à B. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint, aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux, soit sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Plus que ceci, il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, «
sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu ?» Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voulais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il dit, « Suis-moi. » Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, jour après jour, nous nous rapprochons de la célébration de la solennité de la Pentecôte. Et les lectures que l'Église propose à notre méditation aujourd'hui sont pleines d'enseignements pour nous désigner l'un des fruits parfaits que l'Esprit Saint doit produire en chacun et en chacune d'entre nous. Mes frères et sœurs, nous sommes habitués, malheureusement, à avoir une conception erronée de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint n'est pas Dieu. L'Esprit Saint est présenté comme une simple chose. L'Esprit Saint est vu comme quelque chose de possédable, quelque chose qui est notre esclave. L'Esprit Saint est manipulable et manipulé. On dirait que l'Esprit Saint, tel qu'on le présente dans les assemblées de ce jour, les assemblées d'aujourd'hui, on dirait que l'Esprit Saint est vraiment un pur objet. Les gens qui parlent de l'Esprit Saint aujourd'hui, on parle avec une si grande légèreté, un si grand manque de respect, un si grand manque de déférence, un si grand manque d'adoration. Les gens parlent de l'Esprit Saint avec un jure. Dans la mesure où ils, entre guillemets, en font usage de façon vraiment, nous pourrions dire, désordonnée. L'Esprit Saint vraiment a perdu ses lettres de noblesse dans un monde où les chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont. Les chrétiens ne savent plus ce que veut dire être disciple du Christ. Ce que veut dire être vraiment enfant de Dieu. C'est pour cela que vous voyez tout ce désordre hors de l'Église et même dans l'Église, où l'Esprit Saint est vraiment mis en pâture par beaucoup de personnes. Or, mes frères et sœurs, il n'en est rien. Nous sommes les créatures de l'Esprit Saint.
L'Esprit Saint est vraiment Dieu et c'est lui qui doit guider totalement notre vie. Ce n'est pas à nous de dire à l'Esprit Saint, va à gauche, va à droite, va devant, va derrière. C'est à l'Esprit Saint de nous le dire et il le fait. C'est l'Esprit Saint qui est notre berger. C'est l'Esprit Saint qui est notre pasteur. C'est lui qui nous inspire la vraie adoration. C'est lui qui nous inspire le vrai amour que nous devons d'abord avoir absolument envers Dieu et ensuite envers notre prochain. Au travers des lectures que nous avons écoutées aujourd'hui, nous voyons comment Saint Paul est mu par l'Esprit Saint. Saint Paul est guidé par l'Esprit Saint. Dans les épreuves, dans la tristesse, il reste calme et il témoigne du Christ jusqu'au bout. Au point où les gens autour de lui, les juges autour de lui ne le comprennent pas, mais Dieu le défend même chez les païens. Et dans l'évangile que nous avons écouté, nous voyons comment le Seigneur demande à Pierre s'il aime vraiment, car le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour. Quand tu seras vieux, quelqu'un te prendra, te ceindra une corde autour des reins et te guidera où tu ne veux pas aller. Mes frères et sœurs, avoir l'Esprit Saint, c'est laisser Dieu être le guide, le pilote de chacune de nos vies. Ne nous laissons plus, mes frères et sœurs, perdre par des affabulations sur l'Esprit Saint, par de la démagogie sur l'Esprit Saint. Ce n'est pas nous qui dirigeons l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui nous dirige. Ce n'est pas nous qui gouvernons l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui nous gouverne. Et nous ne pouvons atteindre qu'une véritable amitié, qu'une véritable soumission à l'Esprit Saint, si vraiment nous l'aimons. C'est le critère de l'amour qui permet de vérifier si l'Esprit Saint est vraiment dans une personne. C'est le critère de l'amour qui permet de voir si Dieu habite vraiment en une personne. Si quelqu'un n'aime pas, si quelqu'un n'est pas soumis à Dieu, si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, si quelqu'un n'est pas humble, si quelqu'un n'aime pas son frère, alors assurément l'Esprit Saint n'est pas en lui. Ou du moins, l'Esprit Saint est en lui à défaut. Alors mes frères et sœurs, au moment où nous nous apprêtons à vivre la Pentecôte, une nouvelle Pentecôte dans l'Église, allons vraiment vers le Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint, avec la plus grande soumission, avec la plus grande humilité. Et laissons-le être celui qui guide véritablement chacune de nos vies. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, l'accorde pleinement à chacun et à chacune d'entre nous. Amen.